un chevaux à turbo. Et bah, malheureusement, on a un peu plus montré ce qu'on avait parce que j'étais disqualifié par l'IGSBA, mais ça marche bien. Ça fait. Ouais, enfin, quand même, t'as fait une deuxième manche assez brillante. T'as mis le fond en deuxième manche quand même, ouais, en GP. Bah, Je suis pas venu pour faire deuxième. Pour championnat du monde, vitesse au point, on était à 144 km/h. C'est une base. T'as encore les bras pour rouler à 144? Et non, ça marche fort. Bon, et on est en base turbo. Donc avec pomme Skytrack, piston rive classique, moteur préparé. Et ouais, ça fait beaucoup de réparations. Nicolas, sachant que toi tu as toujours eu des machines très spécifiques à piloter, voire pratiquement impossibles à piloter, si on s'appelle Parius, celle-là elle est comment? Parce que la dernière par exemple elle était hyper rapide mais elle tournait pas. Voilà, celle-là elle est fidèle à elle-même comme d'habitude. Donc très rapide mais. Ok, c'est une machine de champion quoi. Ouais, on n'est pas champion donc on va pas dire ça. Moi je vais vous montrer comment ça marche. Bon allez, vas-y alors, montre-nous un peu. Impressionnant, ouais. Ouais, on prend 140 km/h en moins de 3 secondes. Dans les $60,000. $60,000. Ça nécessite beaucoup d'entretien ou pas? Un petit peu, mais rien de spécial parce qu'on utilise vraiment des pièces de top qualité pour éviter quand même pour nous de sortir les moteurs et tout ça. Donc pour gagner des courses, il faut être fiable. Surtout quand on les va au cœur, il faut être fiable, pour ça, il n'y a pas de problème. Un petit commentaire? Ouais, un petit commentaire sur l'essai là. Il y a un bon coiffeur, ouais. Ouais, ouais. Il y a un bon coiffeur. Bon. Regardez ça. Ouais. Et regardez le pink suit Corse là-bas. Faites des commentaires sur le site Indien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fini, ouais. Il y a Brad Pitt et Brad Pitt de Corse. Oui, c'est un métier les gars, c'est un métier. Bon, je te remercie Nicolas. Sinon, à part ça, c'est quand même un boulot énorme de développer un monstre pareil. Ouais, non, surtout quand ça va hyper vite, c'est pas l'ancien temps du GP. Et puis là, celui-là, déjà, on a commandé des pièces déjà ce matin pour le faire pour des plus d'accélération, plus de vitesse de pointe et surtout qu'il tienne mieux dans l'eau. Donc là, on va bosser, préparer pour la Thaïlande et les courses à Dubaï.